à toutes. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une superbe semaine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du 17 au 23 juin 2024. Cette semaine, petit transit planétaire et pas des moindres, Vénus passe dans le signe du cancer jusqu'au 11 juillet. Alors Vénus en cancer, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant à vivre puisque ça va amplifier l'intuition. Le côté émotionnel, ça peut être très susceptible, mais aussi dans le bon sens. Voilà, on peut s'offusquer à juste titre de certaines personnes qui essaieraient de déclencher des réactions. Euh, ça pourrait être voilà les personnes qui euh, euh, veulent se mêler de votre vie, vous donner des conseils euh, comme si vous, vous aviez demandé à être materné. Vous allez dire non non, ça va être là une bonne semaine pour poser justement un cadre en disant. Euh, je, je comprends que tu veuilles mon bien, hein, euh, de ce que ça en a l'air. En tout cas, je préfère l'interpréter comme ça. Mais je vais quand même me permettre de vivre ma vie telle que je l'entends et de ressentir ce que je ressens telle que j'ai envie de le ressentir. Et voilà. Et je pense que ça va être une semaine voilà intéressante au niveau de l'intuition des réactions, alors on pourrait avoir des montées euh, de larmes, euh, voilà, ou alors au contraire des excès de joie de oh, je suis bien, j'adore euh, voilà, juste parce que vous avez mis des draps propres, vous pourriez justement émotionnellement ressentir beaucoup de joie, euh, puisque justement Vénus en cancer, elle aime ce qui est beau ce qui est propre, ce qui va être intact au niveau émotionnel, hein. on n'aime pas trop toucher à ses émotions quand on est une Vénus en cancer et là, puisque le transit est pour tout le monde et eh bien justement on va se questionner à propos de ce qui déclenche des émotions hein, ça peut être des moments de joie ou des moments de euh, colère hein. donc euh, tout ce qui glimeur ou trigger donc glimeur c'est les waouh la béatitude le contentement l'émerveillement et aussi, eh bien, tout ce qui pourrait euh, nous mettre en colère, trans euh, transgresser nos limites, euh, justement, de poser un peu mieux un cadre pour protéger ses émotions des réactions des autres et aussi de réagir de la manière la plus appropriée. Donc, sans être trop susceptible, on peut dire écoute, là, tu sais quoi, je pas l'espace réceptif pour euh, parler de ça. Est-ce que tu veux bien qu'on en parle plus tard ou jamais euh, Voilà. <laughs> Mais voilà, c'est la personne qui a besoin d'exprimer. On va l'écouter, on va l'entendre. Mais si par exemple elle a besoin d'idée son sac exprès parce qu'elle est dans un mal-être et qu'elle a décidé que ce serait nous qui, porter, euh, qui, a, qui allions porter pardon sur, sur nos épaules son mal-être, non là je suis désolée, il y a une limite, il y a un cadre et on va dire un petit stop de la manière la plus appropriée, et bienveillante possible, bien sûr. Alors le 25 je concours c'est pas encore cette semaine mais c'est le 25 que ça se clôture ça se passe sur mon Instagram donc mango fait du tarot je vous mets le lien en dessous pour les modalités c'est très simple il faut être inscrit à Instagram inviter deux personnes et bien sûr être abonné et je vais sélectionner cinq personnes d'entre vous donc il y a cinq gagnants et dans les lots, le premier, donc c'est une guidance d'une heure et demie au téléphone avec moi et la prestation c'est vous et votre autre, ou vous et l'amour, donc ce que vous envoyez comme énergie, et enfin, on va dire c'est le basé sur la cause à effet, donc ce que vous avez envoyé, ce que vous réceptionnez, ça permet de réajuster aux besoins ou d'être rassénéré quand, quand est-ce que vous euh, générez comme énergie, comme vibration. Et ce que vous allez recevoir aussi, parce que c'est un petit peu prédictif, en fonction de ce qui a été établi dans vos énergies. Ensuite, il y a un tirage vocal de 20 minutes avec une question précise. Un lot de runes à gagner, runes, un set de runes complet, fabriqué de ma main, avec un, un protocole énergétique aussi. Hein, quand je, je fabrique quelque chose, je suis en pleine canalisation. Alors là, on a la. La rune de la protection, de la conscience et qui est en lien avec le monde divin. Donc c'est fabriqué de mes mains, voilà, c'est artisanal, hein. il y a des petits euh, voilà, il y a des petites imperfections. Néanmoins, vous saurez que c'est fait avec amour, avec joie et allégresse, et surtout avec des énergies très particulières. Elles répondent bien. Croyez-moi, elles répondent bien. Et les deux derniers, deux oracles, donc quasi neuf ou neuf que vous pourrez donc avoir la chance de gagner. Ça se passe que sur Instagram, ne mettez pas en commentaire YouTube, je participe. Ça ne sert à rien puisque j'ai décidé de tout compiler au même endroit. Je suis toute seule à organiser ça. Et ça va me permettre justement de pouvoir vous répondre sur la plateforme Instagram sur laquelle vous avez écrit, participé, et que vous étiez abonné, bien sûr. Il faudra inviter deux personnes, voilà, et dire comment vous m'avez découverte. Alors, c'est à l'occasion de mes 5 ans de chaîne YouTube, et puisque c'est bientôt mon anniversaire, j'avais aussi envie de vous faire plaisir, puisque vous, grâce à vos commentaires, vos likes, vous faites vivre la chaîne. Voilà, l'intro était longue, mais euh, je vous rassure, la vidéo va être un peu plus expéditive. On va aller au vif du sujet. Tiens, on a l'élément feu. Le désir, donc cette semaine, fuego, fuego, fuego. Et on a surtout, alors je dirais, le, la réanimation. J'ai ce mot-clé qui me vient. Quelque chose qui se réveille, qui se réanime aussi. Alors ça peut être le désir, ça peut être la passion, ça peut être l'entrain, la motivation. En tout cas, pas ma voix. <laughs> je reviens d'un week-end à la mer où le vent a soufflé à parfois 110. Donc. Euh, à attendre à l'abri, mais c'était très. J'ai beaucoup aimé. On vous parle de protéger votre énergie. Je vous en ai parlé. Alors protéger votre énergie et le désir. Moi, j'y vois aussi le côté. Je vais investir de façon adéquate. C'est-à-dire que euh, protéger son énergie, ça ne veut pas dire. Euh, je dois rester sur mes gardes, euh, me méfier, etc. Parce que c'est l'antithèse de la confiance. Mais plutôt, est-ce que c'est utile Est-ce que c'est porteur Est-ce que ça mérite mon temps donc mon temps, égal, ma, mon, mon temps et ma force égale énergie. Hein. Le temps que vous y passez, la force d'implication sur laquelle euh, que vous émettez, sur laquelle vous êtes calqué, ça va être ça, l'énergie. Donc est-ce que ça mérite mon énergie Voilà, parce que là, vous avez du carburant. Euh, votre énergie, c'est un trésor, c'est une ressource dont vous pouvez toujours disposer. Mais si vous la dispersez comme ça aux quatre vents pour n'importe quoi, vous êtes en train de dire, ben voilà, je en fait euh, je ne peux pas compter sur moi-même. Et là j'ai l'impression que cette semaine, en tout cas, ça va être primordial. Alors on va voir ce que nous dit justement le symbolon. Alors, on a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et le week-end. Alors, pour lundi, le jour de la lune, lune et dièse, qu'est-ce qu'on a lundi le bouffon du roi. Mmh. Alors, très intéressant, parce que émotionnellement, justement, on commence fort. On a ici, euh, je dirais, le, le miroir qui nous montre, euh, dans les Assomptions, en fait, tout ce qui pourrait nuire à notre image de nous-mêmes, euh, dans le sens, euh, bah, j'en vaux pas la peine, etc. On a quelqu'un qui s'est chargé de vous le montrer pour moi. Ça peut être une dispute qui a déclenché ça un rapport conflictuel aux autres euh, ça peut être une dissension tout simplement un truc qui voilà qui aujourd'hui vous n'êtes pas d'accord et la personne vous dit bah ouais mais tu vois si tu te parles comme ça c'est pas étonnant que je te parle comme ça écoutez bien cette phrase si tu te parles comme ça c'est pas étonnant que je te parle comme ça euh, vous l'avez peut-être pas dit mais regardez euh, moi je dirais qu'il y a une mise en abîme il euh, y a un miroir dans le miroir en fait j'ai l'impression que il y a eu un dialogue de sourds, où il y a eu un dialogue qui a permis de comprendre, ou qui permet de comprendre en tout cas, si ce n'est pas encore le cas, je pense que la compréhension va très vite venir, qu'effectivement, quand vous n'êtes pas d'accord avec quelqu'un, qu'elle touche une corde, ou que vous avez une réaction, alors là on a euh, bélier balance, donc on a le nœud nord et le nœud sud dans les placements, j'ai l'impression que c'est cette posture, ce, ce positionnement, c'est un peu comme un enfant qui ne veut pas être pris, euh, comment dire, euh, qui, qui ne veut pas être mis en porte-à-faux, qui ne veut pas être. Comment dire Qui veut être écouté et surtout qui ne veut pas avoir tort. Ça ne veut pas dire qu'il veut avoir raison, ça veut juste dire bah là, euh, euh, on m'a grondé, euh, j'aime pas, euh, voilà. Je ne sais pas comment expliquer ça en termes de sensation. Mais là, j'ai vraiment la, 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 le sentiment qu'effectivement, il y a eu une. Il euh, y a eu une circonstance est apparu pour vous montrer effectivement quelle image de vous vous aviez quel dialogue interne vous aviez et que la personne n'est pas forcément euh, néfaste ou méchante mais qu'elle a juste été le reflet ou l'écho de vos euh, de votre manière de réagir de votre manière de, de, de penser euh, de votre manière de vous voir enfin voilà Alors mardi je continue après euh, on va déjà voir euh, le reste de la semaine. Et eh ben voilà. Alors, derrière, regardez bien. Je vous montre parce que c'est là. C'est sous mes yeux. Voilà. Donc, on a le couple. Et ici, euh, bon, à part son brushing qui a changé au oh, monsieur, euh, on a les mêmes protagonistes. Euh, ici, il y a de la purification. Vous voyez, on a le couple, le mariage, le partenariat. Donc, on a Lyon et Balance. On a ici le signe de la Balance. Alors la personne n'a pas obligatoirement du signe de la balance dans son thème astral, puisque là, collectivement, on a tous ce nœud sud en balance qui est en, en activité, on va dire, comme un volcan qui sommeillait et qui va euh, cracher des flammes sur les liens euh, relationnels, quels qu'ils soient, que ce soit euh, professionnel ou sentimental ou familial. Là, on est en train de travailler ces deux axes, c'est-à-dire la personnalité et les liens relationnels. Donc le soi, le jeu et le nous. Mardi, pour moi, il y a quelque chose qui ressort pour être purifié, d'accord Ça ne veut pas dire vous le reproduisez, ça veut juste dire que vous avez l'occasion, avec le signe des poissons, on va dire, de pardonner ou de faire preuve de compassion. Moi, je dirais que, à défaut de pardonner, on peut se dire, ok, on n'a pas tous ces mêmes bagages, on n'a pas tous sa même vision, on n'a pas tous sa même manière de gérer les choses, on n'a pas tous sa même... Euh, comment dire, conscientisation euh, de, du monde, de la vie, euh, voilà. Et que, ok, cette personne parle comme ça, elle pense comme ça, euh, que ça m'aille ou pas, de toute façon, elle est comme ça. Et là, vous faites preuve de compassion, ça ne veut pas dire que vous tolérez, ça ne veut pas dire que vous allez subir, que vous êtes d'accord pour subir, ça veut juste dire que vous comprenez que cette personne est peut-être en train de vivre quelque chose. Euh, moi, y a, la dernière fois, j'ai répondu à quelqu'un n'intervient pas dans son karma. Ça se trouve, elle a un truc à travailler euh, karmique, c'est-à-dire une cause à l'intérieur de d'elle qu'elle ne conscientise pas, et en voulant l'aider, et ça, c'est très Vénus en Cancer de vouloir régler les problèmes aussi euh, des autres, en voulant régler à sa place, tu l'empêches peut-être de conscientiser quelque chose qui est à l'intérieur d'elle et qu'elle reproduit sans arrêt, et que elle te fait peut-être penser que euh, ou elle croit peut-être que c'est à cause de toi. Euh, alors que si elle voit le pattern elle va se rendre compte que c'est dans chacune de ces relations qu'elle réagit de cette façon là cause intérieure c'est la graine et le fruit l'effet donc les conséquences ou euh, tout simplement la récolte et là j'ai l'impression que mutuellement une question de mutualité ici une question vraiment de ok bah, la personne en face de vous elle va peut être aussi se dire bah tiens ces réactions donc les vôtres sont peut-être dus à euh, une volonté de poser un cadre, de poser des limites. Ça va dans les deux sens, hein, de toute façon. Donc là, j'ai l'impression que vous lui avez montré, elle vous a montré, et mutuellement, vous avez travaillé à grandir, à nettoyer, à purifier, euh, puisque de toute façon, on est tous interreliés. Hein. Alors, mercredi, jour de Mercure, impératrice c'est euh, une très bonne nouvelle il y a cette euh, justement cette posture cette posture très euh, euh, c'est moi Simba c'est moi le roi ici on a ce côté légitimité j'existe je suis alors lion taureau ça veut du c'est très beau tout ça c'est fringant j'allais dire c'est euh, fringant c'est euh, voilà, c'est pas au détriment des autres. Là, pour le coup, c'est. Euh, voilà, j'ai une belle toilette, j'ai une belle tenue. Euh, c'est très Louis XIV, en fait, ici. Hein. Maintenant, vous euh, voyez ce côté, je prends mon envol. Euh, tous les carcans, familiaux, sociétaux, religieux, peu importe, identité sexuelle, identité de genre, peu importe. Je m'en affranchis. Voilà, maintenant, je suis. Je suis qui François le Français. Et petit spoiler, c'est aussi Tata Suzanne. Si vous avez la référence, vous voyez de quoi je parle. Je parle bien sûr d'Omar et Fred, et notamment Fred Testo, qui incarnait ces deux personnages qui, un jour, eh bien, ont été une révélation choc. François le Français et Tata Suzanne. Voilà, alors, on a donc ce lion, ce taureau, euh, personnalité fringante. Alors là, déjà, on s'affranchit d'une cage. Et on a le signe du cancer. Alors ça c'est très aussi... Euh, donc on a Vénus avec le taureau, on a Vénus avec la balance. On a le Soleil quand même qui est apparu deux fois avec le signe du lion. Et là on a la Lune qui va nous dire, voilà, émotionnellement, je ressens ce besoin de sécurité inhérente à moi-même, c'est-à-dire je peux m'apporter à moi-même ce réconfort, c'est-à-dire c'est ça, la vraie autonomie, la vraie liberté. Voilà, on sort d'une cage ou d'une dépendance affective dans le... On a tous besoin les uns des autres, hein, forcément, euh, voilà, sans interaction, on est soit un poisson mort et on, voilà, on défile avec le courant, avec les aléas de la vie, ou alors on n'a pas d'émotion, et dans ces cas-là, si on est encore en vie, on est un psychopathe. Ou dénué de toute euh, émotion, c'est pas très bon en général comment ça termine. Donc là, on va plutôt se dire Ok, je me suis affranchie du besoin de validation des autres. Euh, je pense que vous avez avec le temps travaillé. Bon, là, on a Saint-François d'Assise, mais la gratitude, euh, je nourris ce que j'ai déjà de simplissime. Et euh, on a, euh, je crois que c'est un. Ouais, Saint-François, donc francis Hein, je ne sais plus. Mais euh, voilà, j'ai déjà parlé de, de lui parce que j'ai croisé une personne qui était, euh, euh, voilà, qui, qui est moine, enfin je pense qu'il l'est toujours. Et euh, on avait euh, pas mal discuté, qui s'appelle Daniel Radcliffe. Voilà, pour euh, la petite anecdote qui a le même prénom que l'acteur qui incarne Harry Potter. Mais là j'ai surtout ce côté, euh, quelles que soient les réactions des autres, encore Vénus. Hein. Et là on a derrière euh, le signe, enfin devant on a plutôt le signe du cancer. Donc émotionnellement, je protège et surtout je m'affranchis du besoin d'exister aux yeux des autres ou euh, aux yeux de mon autre. Parce que ça va. C'est je pense aussi le cœur du sujet. Alors j'en ai fait tomber une. D'avoir des réactions, euh, bah tiens, c'est celle-là qui est tombée. Bizarrement, d'avoir des réactions beaucoup plus appropriées à qui on veut incarner. Donc, mercredi, jour de réflexion, voilà qui je suis. Je pense que ça va être un, un joli jour, jour de réflexion, jour de mercure, pour poser des intentions, voilà, à travers euh, euh, ce que vous avez envie d'incarner, hein, homme ou femme, hein, bien sûr, c'est pareil. Alors vendredi jour de Vénus eh ben on n'est pas on reviendra parce que c'est plutôt pas mal euh, quand même <laughs> on a le symbolon donc euh, effectivement on marche ensemble euh, main dans la main avec aussi un objectif commun Je pense que là c'est euh, j'entends euh, plus enfin plus généralement la, la, la tribu d'âme en fait hein. c'est à dire voilà les personnes euh, on a envie de se rapprocher des personnes qui avec qui c'est simple en fait avec qui c'est facile avec qui c'est fluide, c'est léger, même si on ne se connaît pas, on discute, et voilà, y a, on n'a pas de masque ou de rôle à porter, on est tout simplement soi-même, et je pense que plein de situations, donc quel que soit le domaine, hein, ça peut être professionnel, ça peut être à la boulangerie, euh, donc dans les relations euh, sociales plus largement, euh, euh, on va dire les interactions humaines, je pense qu'il y a eu du travail de fait à ce niveau-là, et que cette semaine, alors surtout lundi-mardi, euh, soit la personne vient vous parler et vous allez voir que la posture peut être différente. Moi j'ai l'impression que de toute façon ça ne va qu'en qu s'améliorant. Alors on va voir samedi, dimanche. Donc samedi jour de Saturne. Ah, on va régler euh, des choses du passé. Hein. Ouais. Et la peur de manquer, et, de, et on, en fait on va trop vite parce qu'on a peur de manquer, on se précipite parce que souvent on ne veut pas louper le coche. Euh, ça porte maintenant, c'est un phénomène hein, qui est réel en psychologie, qui s'appelle le fear of missing out, c'est-à-dire la peur de louper le train, on va dire ça comme ça. C'est pas la traduction, je sais. Néanmoins, on va dire que au moins on a tous l'image. Et cette peur, c'est souvent ce qui nous fait prendre des décisions hâtives où on n'a pas observé ce que notre corps nous disait. Et là, c'est très relié au corps. Hein, c'est très relié au corps. Euh, c'est très relié aussi aux sensations physiques. Est-ce que je me sens en sécurité Est-ce que c'est en accord, en symphonie avec mon cœur. Mon cœur, il me le dit. Mon âme, c'est mon cœur va traduire mon âme. Mon corps va traduire mon cœur, donc mon âme. Et en général, voilà. Si par exemple l'idée de, de discuter avec quelqu'un vous tord le bide, d'aller à ce travail vous tord le bide, et pas dans le bon sens, hein, dans le sens j'ai envie de me barricader dans, dans mes WC, de, de, de jouer à Candy Crush pendant deux heures et de ne pas y aller. C'est un message. Voilà, c'est moi, ça m'est arrivé. J'ai ignoré les signaux et l'univers m'a dit non, mais t'as posé une intention, c'est te barrer de là. On va te barrer de là en fait. Donc voilà, j'ai été barrée de la route pour aller au boulot, donc j'ai pas pu y aller. Euh, je vous dis ça, c'était il y a très longtemps. Mais euh, je me suis dit euh, là, c'est un, un wake-up call en fait. Hein. Eu... C'était le jour du jugement pour moi. Je me suis dit ok, d'accord, je ne peux plus ignorer. Et donc je me suis mise en symbiose avec mon intention. C'est-à-dire que même en émettant une intention d'avoir un meilleur job, euh, de ne plus bosser pour un espèce, une espèce de... Je, je vous le dis, cette personne, c'est une pourriture. Et euh, en ne faisant rien, j'étais en désaccord. Et donc l'univers a dit, bah tac, allez, bouge. Ok Donc là, j'ai l'impression que samedi, alors pas samedi littéralement, sinon Claire Chazal reprend le JT hein, avec un mouvement collectif. Non, non, ça se passera de manière... Euh, euh, comment dire par à coup, par flux, euh, ça dépend des personnes, vous n'êtes pas tous impliqués. Mais là, j'ai l'impression. Alors, il pourrait y avoir aussi quelqu'un, <laughs> et ça, ça ne parlera pas à tout le monde, mais euh, je pense aussi qu'en face de vous, une personne qui va se dire Attends, elle est en train de changer, elle est en train de bouger, elle est en train de vivre, elle est en train de vivre sans moi. Donc, Rattrapé par la milice du temps et euh, du karma aussi, de la compréhension, Saturne, là on a justement en plus Saturne, la planète hein, qui, qui s'exprime, euh, qui va dire, regarde, euh, tout ce que tu as appris, tout ce que tu as compris, peut-être des choses qui vont ressortir aussi. Alors peut-être pour certaines personnes, euh, des messages de l'au-delà, c'est possible aussi que vous ayez des signaux, vous ayez des réponses par, euh, par chanson. Euh, demandez à votre tante, euh, enfin, votre grand-mère gislaine hein, de là-haut euh, de vous envoyer un signe, vous vous enverrez, vous inquiétez pas, euh, vous saurez les capter en tout cas. Alors, dimanche, la a vierge et poisson, l'axe, donc, placer ses billes, j'entends, c'est pas stratégique, là, pour le coup, ça va être de bien placer ses billes et surtout de bien regarder euh, qui est peut-être, euh, comment dire, Bienveillant, bien intentionné. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un. Euh, ouais, alors attendez, on va demander au tarot parce que là c'est trop spécifique et j'ai besoin d'une spécificité qui me permette d'être précise. Alors on y va. Alors lundi, des patates, la papesse. Mardi, des patates. 10 de denier. Mercredi, autonomie. Ah, regardez, c'est intéressant, on a le diable. Donc oui, effectivement, il y a une posture qui est différente. On s'affranchit, euh, c'est vraiment l'affranchissement. Hein, on s'affranchit euh, de ses dettes karmiques, de ces réactions qui produisent les mêmes effets. On observe, on étudie, on se tait. Euh, je pense qu'on comprend quelque chose. Ici, on a potentiellement la famille qui est euh, impliquée, dans le sens, ça peut être le domaine familial, à ah, reine de coupe renversée. Hein, il y a quelque chose que votre intuition n'a pas vu venir. Et on a le jugement 10 de deux de coupe. Ça pourrait parler de quelqu'un du passé. Moi, j'ai quelqu'un du passé. Alors attendez, je, je, voilà. des personnes du passé plutôt. Valet d'épée. Ok. 6 d'épée. Je réfléchis différemment, vous voyez une, une autre posture, hein. une autre posture, et surtout je pense qu'on met derrière soi des mécanismes qui nous font être dans des relations euh, challengeantes. Voilà ce qui me vient. Alors, ici, trois de bâton, tout ce que vous essaierez de faire, en particulier sur une problématique qui dure depuis un moment on vous dit, en fait, c'est peine perdue parce que ça vous déconnecte de votre intuition. Euh, là, j'ai plutôt l'ébullition mentale avec ces euh, aspects, euh, comment dire, renversés. Le valet d'épée, on va dire qu'il est mal aspecté, même s'il, euh, là, il est euh, sous une jolie carte. Moi, je dirais que ça ne va pas aider votre vie euh, sentimentale ou les bons partenariats de vous disperser trop 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 là j'ai plutôt le sentiment ok on se pose on se repose on écoute son intuition et c'est ce voilà l'empereur ok cette posture euh, c'est ça que je voulais savoir les fameux ouais mais je pense que tu fais une grave erreur si tu réponds à cette personne euh, moi je serais toi je prendrais pas les devants je ferais rien moi je pense que là au contraire il va falloir écouter juste vos ressentis euh, vous affirmez. Pourquoi je dis ça Parce qu'on a derrière le, la carte du bélier en réalité, et que c'est la personnalité brute, c'est-à-dire sans, euh, sans l'éducation, sans le côté conformiste, sans le côté euh, euh, je vais plaire aux autres. Non, non. Je ressens, je fais. Donc l'élément feu, ici, on le retrouve avec le signe du bélier voilà, j'ai envie de ça, j'y vais, j'ai envie de parler, je parle, euh, les stratégies à la mort moelle neuve du style oui, nanani, et tout, en fait, si vous écoutez les autres, vous vous déconnectez de votre intuition, hein, c'est ce que nous dit euh, ici la papesse et euh, euh, la reine de coupe renversée, ça pourrait être quelqu'un, justement, qui veut euh, étouffer un petit peu vos ressentis en disant, mais moi, je ressens que... Ah, vas-y, c'est bon, voilà. Voyez, j'ai vraiment ce côté, on va couper, on va protéger son énergie euh, de cette euh, dynamique-là. Et on va plutôt se dire, ok, est-ce que moi, c'est cohérent avec ce que je ressens Je suis en train de toucher mes bracelets. Alors, je vous le dis tout de suite quand c'est comme ça. Voilà, j'ai du vert, du bleu. C'est parce que, justement, euh, côté gauche, je veux nettoyer mon cœur. Euh, je vous conseille. Pour l'ancrage, l'agate mousse et la tourmaline cette semaine au niveau des pierres. On a pas mal de. J'ai l'impression que le rouge est un peu bloqué. Chakra euh, racine. Cornaline pourrait aider au quartz. Euh, non, non, pas quartz, pardon. Euh... Ouais, si, rub euh, rubis fuchite. Euh, pas du quartz. Enfin, si, quoique le quartz euh, cristal de roche pourrait aider. Quartz rose, bien sûr. Mais euh, c'est pas celle-là que j'ai en tête. Ça va me revenir, ça va me revenir. Bois fossile aussi. Voilà. C'est, là tout là, pour l'instant canalisation, c'est ce qui me vient. J'ai pas un bouquin dans la main là, une encyclopédie dans la tête, mais euh, là j'ai vraiment euh, ce côté euh, euh, revitalisation, le repos. Alors pourquoi je vous dis ça Yin. Yin, 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 Yang ébullition, blocage, euh, on va dire installation d'un cadre. Donc là, on vous dit il y a une <coughs> ouais, protection des énergies, mais aussi euh, ce côté euh, je dois d'abord poser les choses, écouter ce que je ressens, afin de pouvoir être plus affirmatif, affirmative, et d'être plus assertif parce que là, je magique pour rien en fait. D'accord Donc les, je pense qu'il y a pour certaines personnes euh, quelque chose du passé qui cherche à ressortir. On va demander quoi 6 d'épée. Nouvelle manière de parler, de conscientiser. Il y a plein de choses qui peuvent se passer. Alors, on va ramasser. On va faire de la place, justement. Protéger son énergie, ça veut dire aussi, est-ce que réagir comme ça est utile Est-ce que c'est porteur On a quand même ce cette carte hein, du, du vendredi jour de Vénus. Euh, je pense que c'est plus simplement comment sont les autres avec moi. Alors ok, on va penser d'une autre manière. On nous dit ici ce qui va être porteur, c'est de libérer un fardeau. Euh, ce qu'on porte sur le dos aussi, ou ce que les autres nous font porter comme responsabilité. Hein, mais euh, quand tu m'as pas répondu, bah je me suis sentie vraiment très très mal. Ok, bah, travaille ton... Voilà, je ne vais pas intervenir dans ton karma, tu as un truc à bosser. Moi, il y a des fois où je réponds ça. Alors, je sais que c'est pas forcément ce que la personne voulait entendre, mais elle comprend que je vais pas non plus accepter de jouer le rôle du persécuteur. Je veux dire, il y a un moment donné où c'est mon quoi. Alors, solitude, repli sur soi, isolement, quiétude Contretemps. contre-temps. J'ai l'impression que là, c'est vraiment... Euh, ok, Il y a quelque chose qui a été euh, retardé, mis sous cloche, pour que vous puissiez ancrer ou euh, solidifier certaines choses. Solitude, sol, solide. J'ai l'impression que... Ouais. Que ce soit solide de votre côté. Alors ici, fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Oui, alors, le mensonge, c'est quand on écoute les autres. C'est-à-dire qu'on se déconnecte de son cœur. Être blessé, souffrir. Tristesse, peine, pleurs. Il y a quelque chose qui est retardé au niveau de. Un, a... enfin, ouais, un avancement qui ne se fait pas une euh, promesse qui n'a pas été... Euh, je ne vais pas dire qu'elle n'a pas été tenue. Elle a été mise, remise à plus tard. C'est-à-dire que pour qu'elle ait vraiment du sens, il a fallu... Euh, c'est comme si on vous avait dévié de votre chemin. Vous aviez dû prendre une déviation. Voilà. Alors, intériorité, maison, foyer. On vous oblige à vous occuper de quelque chose de profond qui a tout lieu avec la famille. Vénus en cancer, c'est pas pour rien. Et regardez la dernière carte. L'entourage familial. Alors, décidément... Ma gorge n'a euh, rien à voir avec le fait que j'ai été euh, sous l'air marin et le vent, euh, on va dire le, le vent qui a envoyé, euh, je me suis dit, euh, moi je me suis mise en face et j'ai fait, allez, vas-y, on en la envoie, en on en voit du pâté et euh, je me suis mise en face. Donc c'était marrant, je me prenais des... Des rafales, mais je me disais, je suis en train d'enlever de, des couches. Voilà, j'avais vraiment cette image en Pocahontas quand, à un moment donné, euh, bah, c'est la chanson L'air du vent, j'avais les cheveux qui me fouettaient le visage et j'étais, ah, vas-y, vas-y, nettoie, nettoie, nettoie-moi. Voilà. Bon. et eh bien, justement, on va parler du nettoyage. Là, j'ai l'impression que vous êtes en train de nettoyer du gros et du sale. Notamment les non-dits. Notamment les mémoires familiales basées sur le les fourberies, euh, euh, les trahisons, les tromperies, euh, le côté euh, « on ferme sa gueule on prend sur soi hein, euh, », grand-mère a connu, grand-père a connu aussi. Euh, J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui remonte. Et euh, ouais, ça peut être aussi le contexte aujourd'hui qui... Euh... Alors attendez, repli sur soi pour cette semaine du 17 au 23 juin s'il vous plaît avec cette Vénus en cancer qui est arrivée aujourd'hui. Alors on a communication honnêteté. Et là ça va être euh, alors un moment, je dirais un petit peu euh, vérité. C'est-à-dire je c'est dans la solitude que je suis obligée de faire face à certaines choses, certaines vérités qui peuvent être déplaisantes. Euh, tout à l'heure, je l'ai dit, l'ego, des fois, il va vouloir remettre euh, la faute sur autrui. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'ai dit, mais en tout cas, j'y ai pensé. Et là, j'ai l'impression que, justement, ce, ce côté, euh, bah, c'est dans la quiétude que je vais pouvoir être honnête envers moi-même et ensuite pouvoir communiquer. Donc, cette assertivité de l'empereur. Ça, ça permet justement, ben bah voilà, c'est dans ce cadre-là, dans ce repli sur soi, euh, on a quasiment l'ermite hein, que je vais pouvoir avoir aussi certaines vérités qui me viennent, qui me parviennent. Alors bientôt l'été, hein, d'ailleurs bah, fin de semaine. Euh, donc oui, on y est. est. Ça nous prépare à quelque chose pour cet été, les trois prochains mois. Alors fourberie, qu'est-ce qu'on a Printemps. Ok. Renaissance, alors là j'ai l'impression que c'est une renaissance après quelque chose qui se soit passé, je lui ai demandé, être blessé, souffrir, friendzone zone, quelque chose qui s'est pas passé, ah oui, crise, et on a été mis sur le côté. Alors là c'est orienté sentimental plutôt. Hein. Donc même si c'est un collègue et vous avez senti un vrai truc, mais euh, l'un a dit ouais mais non, Il dit dans le déni. En fait la forberie là ça me parle plus de déni. Et on a la vérité, hypersensibilité. Et sur la famille, qu'est-ce qu'on a La vieillesse, ah, la longévité. On a quelque chose de rapide. Et là, c'est être en accord avec soi-même qui va créer une sorte de fluidité. C'est un équilibre. Et là, on va pouvoir soit attirer des personnes qui sont sur la même longueur d'onde. Ou alors on va pouvoir mieux se comprendre, parce que pour moi, il y a eu des empêchements. C'est-à-dire, voilà, vous dites euh, X, la personne comprend Y, ensuite elle vous renvoie W, vous avez, vous, avez compris, euh, vous avez compris la lettre M, vous êtes là, mais on ne se comprend plus. Ok, on se met de côté l'un l'autre, on va se replier sur soi-même, alors ça peut être aussi attention, parce que euh, ce repli peut être mal vécu. Mais il peut être aussi salutaire. Moi, j'ai plus l'impression qu'il est salutaire. Hein, même s'il est mal vécu, on vous dit cette période, elle est faite pour comprendre des choses qui ont été enracinées. Alors, quand c'est comme ça, moi, j'ai toujours envie de le prendre lui. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît Les accusations Correspondance. Alors, je pense qu'il pourrait y avoir des choses qui ressortent, notamment, ouais, mais nanani, mais tu m'avais dit que, regardez ça. On se renvoie la balle. En Roland-Garros, c'est terminé. Mais, 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 j'ai l'impression que cette fois-ci, vous allez comprendre aussi que quelque chose n'est pas vécu du tout euh, de la même manière. Alors, fatalité. Accusation, fatalité. Euh, ouais. Et j'ai l'impression aussi que, attention au discours que vous avez. Parce que si vous dites, ouais, mais c'est mort et tout, on va vous dire, bah, ça, tu le gardes à l'intérieur de toi. Et ça ne pourra que donner... C'est une gestation, hein, donc ce qui, ce qui en sortira sera l'image de ce que tu as pu évoquer. Ouverture. Là, j'ai vraiment la sensation que vous allez devoir aussi vous positionner par rapport à votre famille sur une personne bien précise où il y a eu du... Voilà. J'allais dire où il y a eu euh, du ragot, du cancan, du candiraton, du gnagnagnagnagna. Là, c'est en train d'évoluer, c'est en train d'évoluer vite. Alors, j'ai l'impression qu'il y a aussi une personne qui vous a dit que ça ne marchera jamais. Parce qu'elle pense que... Et en fait, elle se réfère... Pardon. Enfin, je dis pardon à mes cartes. Elle se réfère à ce qu'elle connaît à ce dont elle est capable ou ce qu'elle attire elle-même. Et elle attire pas des bonnes choses. Donc en fait, en pourrissant votre... Euh, comment dire ouais, J'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui a pu pourrir votre foi, votre propre... Euh, comment dire ouais, Votre vérité intérieure. Et qu'en vous isolant, vous allez vous dire, bah, oui, bah, c'est bien sûr en fait. Voilà. Si la personne, elle, ça n'a pas fonctionné pour elle. Je vous le dis parce qu'en fait, j'ai eu... Euh, euh, les flashs, hein, ça fonctionne comme ça de toute façon. Euh, j'ai eu un prénom en tête. Alors, je vais éviter de vous le dire parce que c'est quelqu'un que j'ai connu. Et euh, qui, moi, quand j'ai vécu la même situation que, fin, que lui, puisque en l'occurrence, c'est une personne de sexe masculin, il m'avait dit Mais non, mais euh, n'importe quoi, ça marchera jamais, tu te fais des idées et tout. Je lui ai dit Toi, tu te fais des idées. Tu te fais des idées parce que pour toi, ça n'a pas fonctionné. Et pourtant. Je l'avais un peu briefé en lui disant Attention, comment tu parles Attention, comment tu parles à la situation. Mais lui avait décidé, mordicus, que non, que ceci, que ça ne se passerait jamais, etc. Et en fait, ce jour-là, euh, c'était en 2021, pour les personnes qui me suivent, je l'avais évoqué. Euh, c'était très euh, c'est anecdotique, hein, mais euh, pour les nouveaux arrivants, bah, je, je vous raconte vite fait, vite fait, vraiment l'anecdote. Je lui ai dit Ok, alors pour toi, ça ne fonctionne pas, pour moi, ça fonctionne. Comment on fait à quoi je me réfère, à moi ou à toi Toi, tu as tes aptitudes, tes appétences, tes voilà, des addictions à travailler, des choses, des karmas, des machins, des bagages, des familles. Moi, j'ai propres, mes propres trucs à bosser. Et je lui ai dit, tu sais quoi Moi, j'y crois et je vais te prouver que ça existe puisque dans moins de cinq minutes, je vois une voiture blanche et je te la montre avec tes initiales. Et euh, j'avais plaqué un, un autre truc, en disant mais moi j'ai un ex qui me recontacte dans moins d'une heure ou avant la fin de la soirée avant qu'on se lève et on parte euh, j'ai un ex qui m'a recontacté il me dit ah ouais je lui dis ah mais c'est sûr donc euh, je lui dis tu me connais je suis médium mais je peux te dire que voilà quand je te le dis ça se passe donc si je te dis que ça se passe ça se passe il m'avait dit d'accord mais euh, moi je te dis que ça se passera pas cinq minutes après je lui fais regarde la voiture hop voiture blanche avec ses initiales il me fait ouais mais c'est un coup de chance mais je sens déjà qu'il vacille et une heure plus tard donc j'ai je, 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 une notification comme ça euh, sur mon téléphone je la lis je souris je glisse mon téléphone comme ça je lui dis tiens regarde voilà et en plus c'était quelqu'un qu'il connaissait donc effectivement une personne que j'ai fréquentée dans mon passé qui m'a recontacté en disant bah, je pense beaucoup à toi en ce moment euh, ça te dit qu'on se revoit, euh, voilà. Et je lui ai dit, tu vois, moi, chez moi, Dieu, il écoute, en tout cas. Euh, Dieu, l'univers, la source, l'esprit, euh, les guides, euh, ma grand-mère, euh, peu importe. Mais en tout cas, moi, je suis écoutée, je suis entendue. Donc, si toi, tu te sens isolée, peut-être parce que tu as besoin de te rassurer en te disant que tu es en contrôle, il y a des choses que tu ne contrôles pas. Mais en t'en remettant, justement, à cette force-là, à cette puissance, quand tu comprends euh, qu'elle n'est pas contre toi, et bien là, c'est là que la magie se passe. Euh, il a fini la bouche, ok, bon bah ok, bon bah ok, voilà, donc croyez en vous, je, je vous le dis, croyez en vous, bon, en tout cas croyez en moi, quand je vous dis que ça se passe, ça se passe, en général, hein. vous pourrez en témoigner en commentaire. Alors, réponse déjà en soi, bah, c'est parfait, je viens de le dire, et attention, fausse parole, mensonge, ça peut être le mauvais oeil que vous vous portez en parlant d'une situation, ah ben bah, j'ai jamais de chance, bah vous vous foutez le mauvais oeil vous-même voilà, le mauvais oeil, j'ai même dit, parce que je voulais pas le dire de manière... Euh, voilà, euh, pour ne pas l'attirer, mais... Ok, je euh, tout ça, de toute façon, j'ai toujours la, skum, la et tout. Non, non, ça suffit, stop, arrêtez d'en parler. Euh, les, par les personnes qui vous disent certaines choses... Moi, je vois bien la personne qui se délecte de vous voir vous dépatouiller avec la bombe qu'elle vient de vous lâcher, quoi. Mais de toute façon, il ne reviendra jamais vers toi. Et là, elle vous regarde vaciller, euh, euh, vous avez forcément des réactions corporelles et la personne le voit, ok alors protection, et eh bah ben oui, protéger votre énergie oh ça va être intéressant cette semaine, je pense que là on va avoir à boire et à manger, hein, je vous le dis alors regardez, dispute amour durable, rancune qui a voulu sortir bon j'ai l'impression qu'il y a hum, une personne qui n'a rien à voir avec votre autre mais qui aime bien remettre euh, comment dire, une machine, enfin un sou dans la machine, voilà, pour rester poli. Et ça fait stagner la situation. Attention à ce que vous racontez aux autres. Attention, attention. Paix intérieure. Ouais, c'est ce qu'on va vouloir protéger. Il y a un blocage karmique avec quelqu'un. La tristesse, nettoyage profond sur l'amour durable. Mais le, le, ce que vous vous racontez. Et des fois, il n'y a pas besoin des autres, hein, d'accord? Mais... Ce que vous racontez ou ce qu'on vous raconte. Il va falloir euh, être... Ouais, Vénus en cancer, elle va nous rendre vigilants, vigilantes, vigilantes là-dessus. Le pardon. Réponse des gens en soi. Vous avez pardonné ou cette personne vous pardonne. Alors on a l'union sacrée qui est protégée. Oh là là, ça va être une semaine, je ne vous raconte pas. Enfin, je, si, je vous raconte parce que c'est mon boulot. Mais euh, vous me raconterez. <laughs> Seconde chance. De faire différemment. Je pense qu'il y a un sujet qui va être mis sur le tapis et que que ce soit votre famille qui vous en parle, la personne de votre cœur, votre collègue Christine, Christiane, Nicole, Corinne, ce que vous voulez, qui que vous, vous, vous c'est une extension de vous. Euh, je pense qu'il est important à ce stade-là que je fasse un petit disclaimer. Une personne qui s'autorise à commenter votre vie, c'est que soit vous lui avez. Vous êtes épanché par besoin d'avoir un autre point de vue, etc. Et à un moment, il faut lui dire « Je te remercie de ta bienveillance apparente. » Dites ça, vous allez voir qu'elle va se dire « Attends, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, là ?»« Je te remercie de ta, bienveillante, de ta bienveillance apparente. Néanmoins, là, vraiment, ça reste entre moi et moi-même. » Voilà, le soir, quand je me couche, je sais que la personne de mon cœur, elle est quand même là. Tu vois même si tu auras beau me dire qu'elle est méchante, qu'elle est ceci, qu'elle est cela, je comprends ce que tu essayes de faire. Et là, pareil, c'est une phrase très ambivalente. Donc la personne va se dire, mm, 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 peut-être que, ouais, hein c'est elle qui risque de vous perdre. C'est pas l'inverse, d'accord Et ça va pour toutes les dynamiques enfin, les, toutes les dynamiques, que ce soit euh, les collègues, les, 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 la famille, etc. Voilà, blocage karmique donc qui est confirmé sur la rencontre forte et période de stagnation, parce qu'il va falloir faire la paix avec quelque chose flashback des vies antérieures et le temps à part il est fait pour voilà pour régler ce blocage karmique et pour nettoyer quelque chose qui dure depuis longtemps. Alors, on va le prendre lui. Hop hop hop, bonheur. Et on a l'intelligence. Donc discernement sur notre propre bonheur et ce qui nous rend heureux, heureuse. Ouais, discernement avec la sagesse et l'intelligence. Ici, il va falloir faire preuve de pardon. Alors je suis en train de créer un fascicule, je sais, je vous en ai déjà parlé. On a quelqu'un, l'étoile de l'homme. Hein. Donc là, on a la personne en face de vous qui ressort, euh, pour faire simple, que ce soit un homme ou une femme, ou euh, on, peu importe comment elle s'identifie, c'est l'autre en face de vous. Alors elle est enfermée. Ah, elle va avoir l'occasion de voir ce qui la cloisonne aussi. Hein. J'ai l'impression que, enfin, euh, c'est comme si on vous disait, pas, vous, on vous bloque. On vous bloque, mais pour euh, une bonne raison. C'est que si vous passez à l'action, ou si vous essayez de vous en mêler, ou de régler pour que ce soit réglé, ça va être pire en conséquence. Ça va encore plus vous éloigner. Par contre, ce qui se passe, c'est que la Saturne et Jupiter sont en train d'être à l'œuvre pour montrer à cette personne ce qu'il a, ce qu'il l'enferme. Ce qu'il l'enferme, c'était de sa famille. Et je pense qu'il va y avoir de ça, de toute façon, de part et d'autre. Hein, voilà. À une échelle, on a la maladie et la fatalité. Donc, maldito, mal dire, euh, les mauvaises paroles. Et fatalité. De toute façon, c'est comme ça. Les sentences, et jugements, les. Voilà. Euh, les soins à Saturne, euh, il connaît plus que de choses que nous. Il est plus puissant en termes de vibration. Mais il y a un moment donné où il faut arrêter les oiseaux de mauvaise augure. Clou... Il enfin, faut leur clouer le bec. Voilà. C'est. Euh, inconstance, la paix. C'est L'enjeu va être la paix. Hein. Et les personnes qui. Tr les troubles faites. Les, euh, les, troubles, euh, ouais, les, les fauteurs de troubles. Terminé. Comme on dit, stop, basta. Terminé, c'est fini. Je pense que là, euh, de votre côté, on vous dit tranquille, tranquille, ne réagissez pas ou réagissez d'une façon différente. Parce que si vous êtes encore, euh, ça vous bouscule, ça veut dire que vous n'êtes pas assez stable, solide. Et euh, j'ai l'impression que là, une personne pourrait. Remettre sur le tapis quelque chose du passé. Euh, ça va être une chance de faire différemment. Alors, on a. Là, ça va parler aux personnes en crise et en silence radio. Hein. Pas le choix, les cartes le disent. Euh, ça va surtout parler aux personnes qui sont en dispute, qui n'ont plus de communication. On a vu que la communication allait être importante. Alors, ici, on a du 33 sur du 3 et du 22. Euh, rivalité. Vous aurez peut-être un choix à faire entre deux personnes. Alors, méfiance ou la peur, une peur à, à traiter. La peur d'être trompé ou d'être euh, laissé pour compte ou d'être... Euh, voilà, on a quoi ici Voilà, les schémas répétitifs. Et euh, par là, j'entends les personnes qui s'immiscent. Ça ne veut pas dire qu'il y a tromperie, adultère, euh, rivalité. Alors, oui, pour certaines personnes, mais si vous n'êtes pas euh, dans, cette, euh, comment dire, dans ce schéma-là, ça va plutôt être de laisser les autres euh, se mêler euh, d'autre chose que de leur euh, popote. Voilà, pour être poli. Colère et ressentiment, c'est ça le blocage karmique donc qui, euh, qui rend la relation instable et déjà votre relation à vous-même, votre paix intérieure qui est déstabilisée et qui ne permet pas justement en phase de pouvoir se sentir euh, euh, en confiance, on va dire ça comme ça. Et on a un retour sur le passé ou le retour des vies antérieures, vous avez deux fois le mot flashback, d'accord Flashback, flashback. Et après ça peut être le retour d'un ex mais là ça sera plutôt en guidance privée que je vous dirai si ça peut se produire. Euh, ça peut toujours se produire, mais il y a des, des circonstances défavorables, des circonstances favorables. Moi, je vous dirais, voilà, dans quelles circonstances vous êtes. Euh, derrière, on avait quand même euh, les projets, la vie commune, la grossesse, réconciliation, fonder une famille. Euh, cancer Lyon-Vierge cet été, donc attention, on se. Fin... C'est la bonne période pour aussi euh, établir de nouveaux projets, mais on va d'abord se voilà le, le silence radio. Si vous êtes par exemple en silence radio et que ça provoque de la colère, euh, dites-vous non non mais c'est bien c'est bien c'est ça permet justement de, de de transcender certains schémas répétitifs. Euh, c'est la période pour euh, être honnête envers soi-même. Je vous renvoie au tableau précédent où il y avait. Euh, non communi enfin, il y avait la communication, l'honnêteté, il y avait la vérité, il y avait la friend zone, euh, il y avait le côté familial aussi. Alors qu'est-ce qu'on nous dit ici pour terminer L'audace, tu peux et tu dois croire en toi en toutes circonstances. En amour, l'audace est bien plus positive que négative. Elle est aussi ce qu'il y a de mieux pour rompre la routine et la lassitude du quotidien. Si tu as une envie ou un désir, fonce. Alors, tu prends celui-ci pour finir pour cette semaine. Il y a une carte qui est tombée. Alors je vais vous faire choisir. Alors la numéro 1. J'ai sur le côté pour euh, hop là 2 et je recommence bah oui. Allez, la 3 qui elle s'est retournée. Alors pour les personnes qui ont choisi la numéro 1, on vous dit, regarde à l'intérieur, examine pourquoi tu te sens dans cet état-là. Donc c'est la réponse déjà en soi. Pour la numéro 2, confiance, la transformation se produit à travers l'acceptation. Donc le pardon en fait partie. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Et la numéro 3, passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment. Profites-en. Voilà mes très chers votre guidance de la semaine. On se retrouve bien sûr sur Instagram et sur Patreon. Si vous avez envie de compléter ce travail, il y a la quatrième méditation. La cinquième va bientôt arriver puisque euh, je vais lancer aussi un petit sondage sur l'endroit où je vous emmène pour cette cinquième méditation. Euh, vous avez du contenu donc exclusif. Et gratuit, moyennant quoi un abonnement, puisqu'on va pousser plus loin le travail interne, le jardinage, comme j'aime à l'appeler. Il y a aussi le programme Globe. Bref, je vous laisse tous les liens sous la vidéo. Ça vous permet de continuer, justement, à cultiver les belles énergies pour pouvoir attirer le meilleur à vous. C'est ce que je vous souhaite. Et on se retrouve, bien sûr, très très vite. Je vous aime, je vous embrasse. Je vous remercie pour votre implication sous mes vidéos pour votre patience, pour votre fidélité. Ça m'honore et surtout, ça donne la pêche pour pouvoir continuer à faire des vidéos sur YouTube. Je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite tout le meilleur pour cette semaine. Bye bye